Bonjour, nous sommes le samedi 4 juin, la veille de la Pentecôte. Nous célébrons et nous magnifions Marie, Notre-Dame, Marie de ce premier samedi du mois. Marie qui va être magnifiée par Andrea Bocelli, qui va chanter l'Ave Maria. Magnifique. Sur la place, en Italie, sur la place probablement de Florence. C'est extraordinaire. Alors, dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est non seulement l'ami et le doux homme de nos âmes, mais il est d'une manière particulière, et on peut le dire avec vérité, l'époux de la Vierge Marie. Il est aussi l'époux d'une certaine manière de l'Église, puisqu'il est l'âme de l'Église. Il anime l'Église. Il sanctifie, il féconde l'Église, comme il a sanctifié et fécondé la Vierge Marie, pour qu'elle porte au monde le cadeau le plus incroyable, Dieu fait homme, l'histoire la plus incroyable, la plus belle. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils, et tout cela par Marie. Eh bien, en ce 4 juin, c'est mon cadeau, je vous invite à écouter Andrea Bocelli, l'Ave Maria, avec sa petite fille qui va chanter elle aussi. Merci Marie, merci de notre maman, merci Marie, merci aussi d'être si proche de nous. Merci à toutes les mamans qui nous donnent la vie et qui continuent à nous la donner. Merci à ma maman qui m'a donné la vie il y a 61 ans, mais le lendemain, le 5 juin, ce sera l'occasion pour moi de fêter avec vous, de le fêter à ma façon. Amen. Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.